Nous remercions tous les amis, la presse présente. Nous excusez-vous pour l'état de l'économie. Je dis à nous gagner deux grandes activités que nous allons parler de. Et après, nous faisons la place pour Thibaut toujours sur les sociétés. Ils sont bâtissants. C'est extrêmement important pour les problèmes à résoudre. Mais l'activité que nous avons fait, premièrement, dans la dernière conférence que nous avons fait, nous demandons la libération des prisonniers politiques. Et ceci nous clair, il faut que les prisonniers politiques soient libérés le plus rapidement possible. En attendant, nous avons mis toute pression d'ailleurs inutile. Et nous voyons que le dossier A, c'est au niveau de la cour d'appel. Important pour la commission décider sur le dossier, parce que le dossier à Noël, il n'est pas au niveau de l'accusation, il n'est pas au niveau de la cour d'appel, c'est au niveau de la cour d'appel. Nous allons mettre toute force dans le bureau, justement libérer les prisonniers politiques. Nous allons mettre dans la situation ça, on est en prison à cause de conviction politique. Mais je dis à mon activité qu'on fait avec madame, monsieur qui est en prison, ou bien maman, que au niveau de faible la torture, nous gagnons et bien quelques heures que nous avons baillé ou que nous même pendant Mario la prison nous fait activité. Nous devons faire depuis longtemps, malheureusement, nous pas lancé le même l'heure avec madame et policier qui mourent. Mais je dis à Guéon, en gros, personnalité qui présente, c'est toujours une bataille pour prisonnier politique. Donc moi-même, je ne vais pas parler de ça, je vais quitter même Calais, parler de l'activité ça. Mais deuxième activité, hein, qui c'est des jeunes au niveau de Bel Air, qui là, nous songez, Jean, je voulais gagner, je placé au niveau de Bel Air. Il y a des jeunes, je dis, qui d'accord, pour commencer à peinturer caillou. Vous mettez vie dans caillou, et M. Sao, il a bénéficié d'un chèque pour acheter de peinture. Parce que nous croyons que je dis, un pays, ça, malgré le problème que le gagne, faut nous faire effort pour mettre la vie des jeunes à eux et c'est eux que nous remettons là pour que nous achetions peinture, recommencer à peinturer tout le cas, ni dans Wittimas, ni dans Saint-Fils. Donc, ça m'a fait parler de lui, mais en attendant, on a passé même Galet Jean-Baptiste qui a parlé de l'activité prisonnier politique. Merci, sénateur. On va saluer la presse qui présente aujourd'hui. Bien, sénateur Adina. Premièrement, nous remercions lui. Féliciter le courage. Bakonel, c'est la bataille à la moelle, c'est son acte de conviction. Et nous passons avec bataille arriver à libération. Maintenant, deuxième activité, c'est au niveau de Bel Air. Nous avons un jeune que nous avons mis en chèque de 5 euros. Il y a même qui activité à faire dans la zone sans fil. C'est ça. On va continuer à parler de ça. On va peinturer façade caillou, rue, pour que la vie la route dans ces deux zones, pour que les bandits aient empêché de vivre. Donc, dans ce sens, on va mettre que nous avons avec eux. Et on va se voir un petit mot. On va nous mettre au chef de la main. Oui, tout golf, 2022. S'il vous plaît. Non, maman, madame, Kélik, tout plus
Johnny, Abel Zongonet, Grenal Coutois, Jean-Denis, Sibekan, Mackinton Estéril, Gary Filemon, et tout notre prisonnier politique qui va bénéficier des jeux que ferme la torture, qui va profiter avec madame prisonnier politique, maman prisonnier politique. Je dis à Fonclé avec nous, nous comptons en pile parce que nous connaissons que l'homme est en prison, maman, petite, madame, nous avons succédé. Je dis à nous connaissons que nous avons en pile prisonnier politique, Arnel et l'autre monsieur. Nous avons 20 mois en prison, je dis à sénateur apprenti avec eux. J'ai toujours fait le parler de eux, mais je dis à livrer par un bagage pour faire un petit business. Et nous-mêmes, comme avocat prisonnier politique, j'ai ça. D'aller droit au fond que nous, parce que il y a quelqu'un qui parle qui va faire action. Sénateur Yuri la torture, non seulement il parle, il fait action. Et je dis encore, il prouve côté que par remettre avec madame, maman, qui sont des politiques, je pour le cas au moins ouvrir un petit business. Combien de monde qui concerne les pages? À Gampile, parce que ça, on l'a vu pas seulement, je sais, qui est Gampile, l'autre en bas. Ça, c'est comme si symboliquement, vous pouvez. Mais il faut qu'on ait nos Gampile en pile prisonnier politique. Nous gagnons. Et madame, vous ne sont pas présents là. Tout le monde qui n'est pas présent, nous gagnons avec son bonnet. Nous, madame, ni pas là. Mais nous devons rentrer en contact avec lui là. La privée, sous peu, dans quelques minutes à la plage. Nous gagnons tout notre jogari Filemon, Mackinton Estéril, Babas, Job, Kili, Tibekan, nous gagnons même nous au cap tout, madame Prison de Politique au cap, par exemple, nous gagnons Guito Jean-Baptiste au cap, madame sous liste. Nous gagnons ce qui tout pour nous gagner jeu pour nous. A vous dire, c'est symboliquement ça fait, mais tout le monde peut me baser en balayé. Et moi dis sénateur, merci, merci parce que c'est un pile propre, ça c'est l'accepté qu'il va faire. Et pour le remettre. J'en ai des bagages, ça dès qu'avant, il choisit un cadeau avec madame et maman pour jouer des politiques. Et m'a profité de ces mots pour nous demander avec coup d'appel, pour une responsabilité. Peut-être que nous, avons un certificat qui sorti hier, je dis dossier à ma jambe déposé dans le coup d'appel. Et immédiatement, le certificat prié, je vais révoquer le greffier, parce que le parti doit aller, et je vais avoir un autre certificat qui dit dossier à dans le coup d'appel. Je demandé pour. Les gens qui l'ont dirigé, nous prenons la responsabilité pendant que nous-mêmes nous continuons à faire le travail technique là, nous faisons une création. C'est la dernière fois, tu merci en ville. Dans notre toujours les bonnes questions. Merci, merci, merci. 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 Nous avons l'autre vie encore. Les gens nous ont commencé. Nous avons demandé qu'on a des cailles de vie. Mais nous avons essayé de faire des vies avec une sœur. Depuis que nous avons un petit, nous avons connu. Merci. 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 Puisque ça a dérapé, c'est encore pour déraper dans le taille. Donc, je pense que si la France est avec Haïti, nous on est pays dans une situation difficile, même que chaque monde qui vous donne un coup de main pour que nous reprenions vie. Si nous ne pas faire, c'est pays qui va aller à la dérive. Ah, ça c'est votre maman. Maman, je vais vous dire. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. D'accord. Il y a un bar avec la famille. C'est la question de Martissant. Nous connaissons que le pays a vécu une situation inacceptable. Je dis à il y a 4 départements. Nîmes, Grand-Est, Nîmes, Grand-Est, Sud et Sud-Est, et on partit dans l'Ouest à partir de Carrefour. Il y a un pile de monde qui vit là-dedans. Eh bien, qui va pas vivre parce que plus fort business dans notre communauté, il n'y a pas qu'à aller dans l'Ouest, plus fort monde, pas qu'à aller travailler. Nous-mêmes nous disons,
dernièrement, nous avons fait recommandations sur la question ça. Mais encore une fois, la invité la police à comprendre ce qui a passé pour que l'opération qu'elle a fait soit bien menée. Et également, chef gouvernement, Ariel Henry, que l'autre jour, nous avons rencontré, et qui a dit nous lundi, tout va résoudre la partie ça. Et moi, je dis, oui, parce que tout va être à résoudre. Si on va qui m'a dit temps, il m'a dit préparation. Le premier bagage que je dis, le problème là, ce n'est pas la route là. Ce n'est pas sur route là. Le problème là, il y a trois différents gangs qui ont bataille pour gagner occupation territoire, ça qui est route là. Et je dis à la police de préparer. Le gouvernement de préparer équipement dans la police. Je demande comme intelligence. La police de faire un redéploiement, parce qu'il y a des gens qui sont habitués dans cette zone-là. Je dois faire un redéploiement avec d'autres policiers pour faire coopération dans le lieu côté de Gagnoy. Ce n'est pas sur route là. Sur la route là, il a retourné la caillou et après il a fini. Même si l'autre jour, nous, la police voyait trois temps, trois blindés, et puis ça passé. Plus pour tomber et pour ne pas passer. Donc il faut faire opération dans le lieu côté que Bandio sorti pour que. Yo kamete, on fait la question. Nous voyons que je dis à la population, il mérite ça. La population n'a pas qu'à vivre ça. On pas qu'à oublier ce qui a passé là. Et toute bataille ça qui est faite pour nous arriver jeudi, moi je pense qu'il faut que deux revendications, c'est au minimum, libération, prison de police et sécurité pour la population juvénile. C'est deux minimums avant nous entrer dans notre bagarre. Et c'est pour être ça, nous dit la police. Pour la responsabilité. Faire opération, gouvernement, par équipement qui a oublié. Depuis longtemps, moi j'ai dit que Blende n'est pas bon. Blende, ça, il n'y a pas qu'à faire le travail ça. Et moi, parce que si la police, l'équipement, si je dis à propre intelligence, là, aller dans la police là, pour faire le travail là, si je dis à yo fin détruit tout lien entre exécutif là et bandit qui ont apporté comme là, moi pense que l'opération, yo important et au nécessaire pour que, avant l'école là, on souffle qui râle et la circulation reprenne dans la zone. Nous devons demander ça. Et chaque semaine, on a toujours au moins, jusqu'à ce que vous ayez fait, parce que nous pouvons que je vous dis, on manque de volonté dans la question ça. Même si on a manque de volonté pour les prisonniers politiques, nous voyons qu'en pile, virer tout le monde a fait, on manque de volonté dans la question ça. Et tout l'un des importants, pas oublier, c'est moitié de la population haïtienne qui est bloquée et c'est des gens qui sont en prison pour conviction politique. Sénateur, est-ce qu'on va penser que la paix dans le troisième an n'est pas un problème pour une série de nègres? Parce que nous connaissons une série de nègres dans le pays ça et les matisses sont chaussées, les appuis vont. Est-ce qu'on va pas penser que la paix? Nègres, si dans ces deux mondes, c'est la guerre qu'on a besoin, eh bien, nous n'avons pas besoin de tout le pays. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin que la population a vaqué à l'occupation. Et il est anormal que chaque jour, des milliers de monde ont perdu une position, ils ont quitté Caillou, ils n'ont pas qu'à connecter à leur département parce que nous avons une situation que la police, le gouvernement, pense que c'est normal. Anormal, et si on monde, c'est sous de sa vie, à gérer le bagage parce que la population doit vivre en paix, la population doit protéger ces populations qui ont circulé dans la ville, va dire de la prison. Donc je dis à sur le monde, c'est la grande besoin, c'est la prison. C'est un peu la part du bouquet. Qui t'a rejeté, Monsieur Bernet, là, et tu les cailles. Ouais, jusqu'à présent, situation pour les gens qui dans l'autre, qui est cru, jusqu'à présent, il est bloqué. Qui ça a fait? Parce que Pentu et Kaï, là, c'est est-ce que Bernet n'est pas accessible? Je pense. Côté monsieur, ça va faire là, c'est le côté qui est accessible. C'est peut-être ça que vous avez déplacé au cabinet. Il a commencé dans le côté accessible et demandé à la police de continuer à faire le travail pour que le côté pas accessible vienne accessible. Sénateur Latortu, et vous parlez des services, l'argent qui est disponible pour service renseignement au niveau de la police avec équipement approprié tout. Mais par rapport avec ce qui est passé dans le tout passé là, vous avez des bandits attaqués différents commissariats avec ce commissariat, et puis tout problème socio-économique là, est-ce qu'on va penser que ça est capable de gagner des répercussions négatives? Fait que morale policière tellement vite bas, mais là, il y a le parti dans une série d'opérations. Les policières,
Papa, si vous avez réussi. Moi, je comprends ça. Moi, je comprends que le policier participe à l'opération. Il est joué pour aller vite là. Les fois, le policier a connu, il est au service de la police. OK? Et le policier a perdu en bataille, il n'a pas perdu la guerre. Et je dis à nous, pas qu'à perdre, il y a ça. Population haïtienne, nous guérons. Et c'est peut-être ça, nous dit, voilà ce qu'il faut faire pour que nous résolvions le problème là. Tout le monde qui est dans la zone, ça a été vivre. Tout le monde qui est dans la zone, ça a été pour à l'école de Pasmoulia. Ils ont mérité eux-mêmes pour y aller travailler. Moi, je pense que l'État doit ça. Et même si c'est un échec, il faut que ils revisent l'opération. Ils ont fait l'opération côté au préfet. Et il est arrivé à libérer les zones et que la circulation reprenne. Pour encourager les policiers à faire le travail, le gouvernement met des équipements pour les policiers pour que la circulation reprenne et que plus de 4 à 5 millions de monde qui vivent dans tout département de la zone rentrent dans l'activité économique. D'ailleurs, nous voyons que l'activité économique a ralenti, le PIB a diminué. Et malgré tout, comme la monté, on ne peut dire ça parce que nous ne pouvons pas produire du tout. Et nous sommes obligés, même minimum là, obligés à acheter l'autre. Sénateur, nous remarquons que l'accord politique là toujours bloqué. Il se passe au mois depuis. Dans le niveau A, à qui ça a fait? Est-ce que nous participons à la discussion et beaucoup de sociétés civiles là ou bien dans le temps à faire? Bon, il y a une discussion qui participe là-dedans, surtout au niveau du report. Moi, je pense qu'il y a un draft d'accord proposé. Et nous avons des réunions pour nous regarder exactement ce qui s'est passé. Vous avez des dernières positions, surtout des gains dernièrement par rapport à la transition. Vous avez dit qu'il faut comparer, qu'il n'y a pas fait dans le moment ça, qu'il a fait après l'élection. Donc ça, il y a des gens qui n'ont pas trop d'accord avec la position ça, ou qui ont des explications pour vous. Mais ça me dit, j'ai l'impression que vous avez pas bien interprété ça. Moi, je dis que quand on y a là, dans la situation que nous vivons, l'opposition doit mettre peut-être ensemble. Pour nous arriver à faire la transition de rupture. Si on ne pas faire, nous ne pouvons pas arriver à faire. Nous ne pouvons pas avoir un projet commun ensemble que nous avons présenté pour nous faire. Et si on rate, il faut que nous mettions ensemble pour l'élection, pour que nous arrivions dans le pouvoir et faire ça pour promettre la population. Moi-même, je dis à la fois, parce que fondamentalement, nous avons dit que nous avons fait, moi-même, je avec vous. Et c'est peut-être ça que je dis, ah ouais, semaine dernière, nous avons appuyé la question de l'opération de l'université. Je dis, ah, m'a appuyé la question de sécurité. Ce n'est pas que nous avons parlé de yo. Si nous sommes arrivés là, ce n'est pas critiquer le monde, c'est faire effort nous-mêmes pour que nous arrivions à faire ça nous dit au passé. Et moi, inviter encore une fois l'opposition à comprendre que mon nécessité historique pour entendre sur mon proposition. Puis on peut appliquer ça aux défis fondamentaux. Parce que si on va faire là, il y a prêté une dernière chance dans l'élection. Mais si on va faire, on va perdre, on va gagner le droit à vivre une population, que ce n'est pas faute. Je dis à la nécessité de sourire pour nous mettre ensemble, pour nous faire ça aux défis comme fondamentaux dans la transition de l'élection. L'on parle d'élection. Élection après entente, là, parce que vous connaissez que des barrières centrées sous. Les possibilités pour avoir un accord politique global entre différents secteurs. Est-ce que c'est l'élection Ariel Henry a parlé là ou bien en transition, après transition de rupture? L'élection à venir, c'est lui qui est finalité transition de rupture. C'est lui qui est dernière étape là. Et c'est pour être ça, nous voulons, et on tape ensemble pour nous mettre en place les fondamentaux, mettre un climat qui est favorable et laisser arriver dans l'élection. On n'a qu'à courir faire l'élection comme ça. L'élection a fait le possible, mais il faut commencer par respecter les fondamentaux publics, libération prisonniers politiques, justement, sécurité, un nouveau CEP, audit sur le parti électoral, une atmosphère pour que les partis politiques fassent compétition pour arriver à la question de l'élection. Mais moi, je crois que c'est important pour nous commencer avec la première étape. On a parlé de un gouvernement qui est bicéphalité dans le pays là. Ou même comme vous qui est placé, qui est chita dans le bureau, qui va rencontrer avec nous, vous qui n'y vont pas bien là, est-ce qu'il y a prêté avec Ariel Henry ou est-ce qu'on a un président? Bon, ajoutons l'autre détail. Ariel Henry dit clairement pas de provision aujourd'hui à la pour le président dans notre pays. Pas de provision pour Ariel Henry. Parce qu'il va passer des commandements. Donc je dis à son consensus, et consensus là, la fête sur le cadre légal que nous avons en Haïti.
C'est vrai, je dis, il y a des institutions pas bien, mais le cadre légal en Haïti, les répondre à un cadre légal, l'exécutif municipal. Donc, ce n'est pas que pas de provision pour nos présidents, pas de provision pour nos présidents. Donc, il faut qu'on consensus pour respecter le cadre légal. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous voulons aborder la question de transition. L'essentiel, sénateur de la Constitution, ne pas constituer aucun blocage. Dès que quelqu'un a un stade qui fait sous gouvernance pays, c'est la moindre constituer blocage là, parce que nous avons aimé que le pays nous sortit dans l'état lamentable, économique, sécurité que nous là, pour nous aller de l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.